les étoiles. Aujourd'hui, jambes sur la barre, sans barre. Installez-vous, la jambe sur tabouret ou la chaise que vous utilisiez pour faire la barre jusqu'à maintenant. On servante, on ouvre bras et demi-plié et je retends. Et demi-plié et je retends. Inspire, étire colonne, dos plat en avant, et je reviens, et je réouvre. Et demi-plié, la rotule au-dessus des cinq orteils, et demi-plié, et couronne. Inspire, cambre, et je reviens. Encore demi-plié, je retends, et demi-plié, je retends. Je monte bras, je serre ventre, je soulève jambes, je garde, je pose et je me tourne de face. Lorsque vous serez tourné de face, j'avance ma jambe sur le tabouret pour avoir la jambe devant moi, comme lorsque vous faisiez les exercices au sol. Et on réouvre bras. Et demi-plié et je retends. Et demi-plié et je retends. Quatrième, inspire, tire vers jambe et je reviens. Et demi-plié, je retends, demi-plié. Et quatrième, inspire, tire côté et je reviens. Encore demi-plié. Et deux fois. Monte bras, serre ventre, lève la jambe et je reste. Et je pose, et cette fois je vais me tourner en arabesque. Et j'ouvre, et bras. Allez, on continue. Et demi-plié, je retends. Mi-plié, je retends. Je monte, je tire, je garde, et je reviens. Et demi-plié, respire. Demi-plié, inspire. Couronne, plafond. Cambre et je reviens. Courage, demi-plié. Et demi-plié. Et couronne. Cherche l'équilibre. Monte la jambe. Et je garde. Je pose. Et je tourne. Et je reprends ventre. Monte les genoux. Descends joliment. Et repos. Poursuivons avec quelques étirements au sol. Les jambes écartées, pas trop. On monte bras, on va chercher le plafond et en même temps qu'on va chercher le plafond, on va chercher les ischios. Et on penche côté. On garde. On respire et on revient. Et on va rechercher le plafond par le sommet du crâne et en appuyant les ischios. Et on penche de l'autre. On me laisse les deux ischios au sol. Et je reviens. Et on y retourne. On se grandit. Et on tire côté. Expirez. Et je reviens. Et encore une fois, inspire. Et tire de l'autre. Et je reviens. Le prochain étirement, vous pouvez glisser sous vos fesses un gros dictionnaire ou une brique de yoga ou une couverture. On remonte bras, on se grandit, on sent bien les deux ischios au sol, on prend une grande inspiration et on penche sur l'avant. Expirez, gardez et je reviens. Et je réétire ma colonne, donc essayez d'enlever l'arrondi du bas de dos qu'on a, parce que trop de télétravail en ce moment, trop de positions assises, donc psoas, qui boude. Allez, on se grandit et on penche en avant. Essayez de garder les jambes au sol, ne les repliez pas au fur et à mesure de la descente. Poussez vos rotules vers le sol. Et je reviens. Je redescends les bras et j'y retourne. Inspire. Et en avant. Et
Expire. Sentez que vous rentrez le ventre pendant les inspirations et que vous gardez le ventre rentré pendant l'expiration. Et je reviens. Allez, courage, un dernier. Et inspire. Et long en avant. Pour ceux qui vont très bas, okay, essayez de ne pas relâcher vos bras. Essayez de garder quand même vos bras en couronne. Et on revient. Nous poursuivons à genoux. Si le genou au sol vous est inconfortable, glissez un coussin ou repliez votre tapis. Ça vous fera un petit duvet. Donc, masse sur les cuisses. Prends une grande inspiration, on se grandit. Et on va appuyer devant. Soufflez. Grandissez-vous. Reprenez votre respiration et on va tendre devant, poser ses mains, essayez de faire un dos droit. Et on y retourne et on penche en avant. Donc on plie surtout. Expirez. Et on revient. On étire la colonne. Et on fléchit. Et on revient. Dos plat, étirez colonne. C'est très bon pour votre psoas, ce petit étirement. Et encore un. On change de jambe. Ok, donc exactement la même chose. On va juste le personnifier un petit peu. Donc, tutu blanc ou tutu noir. Plume blanche ou plume noire. Vous voyez de quoi je veux parler. Odette ou Odile. Si, si. Donc, on inspire, on ouvre, on reste. Sentez vos ailes. Revient, dos droit et on y retourne, on inspire, on ouvre et on expire et on garde le dos le plus droit possible. Inspire, on reste, sentez vos ailes et on revient, dos droit et on y retourne, on inspire, on ouvre et on expire. Et on garde le dos le plus droit possible. Gardez une attitude positive et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!